Ah, je te jure, aujourd'hui là, il faisait trop chaud. Hein. Les gars, je sais pas où est-ce que vous habitez, mais là, dans la région parisienne, il faisait genre 25, 26, mais genre j'avais Ouais. l'impression que c'était genre 35 degrés. Au soleil, ça tapait fort. Très fort. Très fort. Trop Bon, ouais, fort. trop fort. Ah, aujourd'hui, il faisait très très chaud. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y ait des victoires en foot champions? J'ai fait 19 et 1, c'était mon meilleur ratio. 19-1. J'ai Ouais. perdu un match, c'était il y a quelques semaines. Et moi, mon meilleur ratio cette année, c'était 18 et 2, frérot. Donc non, on n'a jamais. Pour répondre à ta question. Pas encore. Donc je pense que c'est un peu dur là, ce sera peut-être un peu tard de faire des 20 et 0. Après qui sait hein, mais bon, je pense que 20 et 0, on est sur notre pente descendante là. On a moins de réactions, on est moins dedans, tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, les gars, à côté de chez nous, là on habite, après la salle, j'avais pas pris ma gourde du coup. Et il y avait une option pour moi que ça faisait depuis très longtemps que je n'avais pas pris. Et j'ai pris du Powerade. Sauf que dans le Franprix là où on avait, il n'y avait plus de Powerade bleu. Et moi, je dois ouvrir le débat. Là, je te pose cette question pure, simple, dure. On est d'accord que le GOAT des Powerade, c'est le Powerade bleu. Ça, Vincent, je suis rarement en Non, mais accord qu'on avec soit toi. d'accord. Et moi, j'ai dû prendre le rouge, c'est bon. Tu vois, il est là, il est là. Tu vois, goût cerise. C'est bon. Mais c'est pas grotesque. Mais c'est bon, ça se prend, allez. Mais le Powerade bleu, qu'on soit bien d'accord, Mais c'est le meilleur. tu sais qu'aux États-Unis, les gars, nous, j'avais carrément acheté une fiole genre 100% Powerade. Donc en fait, je versais ça dans de l'eau. Genre, c'était archi d'art. Mais c'était trop trop bon. Donc les gars, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi faire. Mais Liam, il doit tout faire, c'est simple, il doit tout faire, Liam. J'ai vu comme quoi ce pack il était buggé. Voilà. Ok les gars, premier SBC du soir. On m'a dit les gars, ce SBC c'est une douille. Allons voir ce que c'est. 75 x 10, je vais avoir au moins un tot, je le sens. Messieurs, je le sens. Allez, vamos, premier tot de ce soir dans le pack, allez. Non. Premier pack de ce soir, MDG. C'est pas mauvais en vrai. C'est pas mauvais en vrai. C'est correct. C'est que PL85, on prend, messieurs. Juste les gars, là, maintenant, là, tout de suite, là. Qui on aura dans le pack icône, les gars? Comme ça, screen est bien, et s'il y a une réponse, vous savez quoi, les gars? Je vais faire comme ça, à la VAR, on pourra revoir tout à l'heure. Très, Tu as la vision en avance. Trezeguet, c'est une drôle façon d'écrire Zidane Moments, Marco. Qui a la vision en avance, là? Ça se joue là. Ça se joue là, messieurs. Bah, je vois quelques petites défaites. Hein. Cafu, doublon. Hiro, malheureusement. Pour toi, Hiro est en train d'écrire dans le chat. Hiro vient de follow la chaîne. D'accord. Hiro vient de follow la chaîne Twitch, il va D'accord, peut-être. ça marche, ça Okay. marche. Bon, allez, messieurs, le tot, il est là. Bonne soirée. Je trouve arrogant les gars ce soir, Liam, comme d'hab. Hein. Tu vas me dire comme d'hab. Hein. Mais je trouve Liam d'une insolence et d'un ton très arrogant qui ne plaît pas. Bon les gars, on va commencer par l'équipe notée à 86 pour le André Silva. C'est la première équipe du coup de ce soir pour le SBC. Tout en sachant les gars que les objectifs de ce soir pour le pack icônes, ils sont restreints parce que les objectifs, on a déjà vu l'équipe PlayStation, il y a déjà tout. Mais on veut avoir une cinquième étoile de geste technique et une icône offensive. Et avec On une veut queue pas de que. cheval. Avec une queue de cheval. Ou pourquoi pas une belle petite calvasse. Parce que j'ai remarqué, les gars, vite fait, je vais vous dire quelque chose. J'ai tapé du coup Eto'o Romance la semaine dernière. J'ai fait mes 8 matchs Ravels, les gars. Enfin, mes 8 victoires Ravels avec Eto'o. Il est pas assez bon pour lui. Il n'est pas assez bon. Et Il Vincent a était du bon avant la mal. TOTS, Eto'o Romance. Il était bon avant la TOTS. Mais avec tous les devs 100 qui sont sortis, les gars, je vous jure, c'est pas. Vincent, il a trop du mal avec Ouais, Eto'o, c'est aberrant. c'est vraiment, les gars, le joueur cette année où vraiment, pour moi, c'est ma défaite. Hein, Pourtant, vraiment. moi, je le trouve pas J'ai si pas mauvais que peur de le ça. dire, les gars. Bon, messieurs, on envoie? Non, un 85 à la place d'un 86. Bien vu, frérot. Masterclass de ta part, moi. Masterclass. Bon, messieurs, Saka, Rodri, Romero, qu'on avait packé pendant la TOTS PL. Bamo, bamo, bamo. Mais Aurélien va faire solo, les gars. Il va le faire. Ouais, faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que c'est. Je vais le tester au moins. Je vais pouvoir le tester dans les coupes bonus, les gars. Et si j'aime pas, je vais le mettre dans un SBC. Tu vois. Yak, nous, on n'a jamais été en 4-1-2 en 2. On a été en 4-3-1-2. Donc, dans cette équipe, on va envoyer Oblak, D84, 86, Der Stegen, Parejo et Bernardo Silva Tots. Qu'on avait tapé dans le Bundes. Enfin, dans le truc Garanti Pel. Au revoir, petit prince. Non, je pense pas que c'était lui. Je pense que c'était un autre joueur, non? Ah, je m'en souviens. Mais en tout cas, Non, les non. gars, c'est du Fodders. Bye bye, petit prince Bernardo. Le football. Messieurs. L'icône est brésilienne ou française, oui ou non? Me dites pas que cette prédiction elle pue le caca. Elle est osée. Mais en fait, je me tâte à le garder, lui, parce que pour les coupes Bundesliga, mais je vais sûrement le retaper peut-être quand je vais avoir des TOTS Bundes, donc tranquille. Tranquille, messieurs, la dernière équipe d'OTA 87. Pardon. Adieu, les petits princes. Donc, pour ce pack-là, j'aurais mis quand même quelques grosses notes et j'aurais mis de crédit sur le marché, j'aurais mis à peu près 120 000. Allez. Oh! Ah, mais c'était pas garanti! Moi, je pensais que c'était un pack lambda. Je suis bête, les gars. En vrai, je suis bête. Hein. J'ai pas ouvert le garanti? Oh!
Bon, c'est nul, mais... Ah meuf, ah les gars, je suis perdu là. Bon, on va l'envoyer dans le club, hein. C'est-à-dire, j'aurais lui dans mon... Aïe, 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 c'est-à-dire, le gars, j'aurais lui dans le... Dans le pack joueur TOTS CPL, Saudi... Saudi League. Allez, donne-moi Talisca, allez. Oh. T'es perdant. En vrai, il a une vraie carte, hein. Mais je pense que c'est tellement fake stat in-game. Les gars, avant de voir le pack Mormon Sequence, ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait te montrer l'équipe. Mais attends, je suis bête parce que là, j'ai éteint l'écran. D'ici, en gros, ça, c'est ma défense, les gars. In-game, comment je joue comme ça, in-game. Pressing à part de la balle. Marcel au milieu de terrain, Fred côté gauche, Cafu. En vrai, les gars, il me faudrait un très très gros milieu de terrain pour potentiellement revendre Marcelo. Et j'ai vu les commentaires, vous étiez pas mal à dire, mais passe Fred dans l'axe et Cafu à gauche. Les gars, au niveau du gabarit. Ouais, gabarit, je préfère Cafu. Cafu est beaucoup plus rapide et Cafu est meilleur dans la couverture de balle. Fred Tops en tant que DC. Non. Mais après, je fais jouer DG, donc bon, tu me diras, c'est pas mieux, mais je préfère sur le côté, parce qu'avec 5 étoiles de geste technique, je peux me faire quelques petits. Je peux déborder sur le côté plus facilement avec 5 étoiles de geste technique. Et pour le coup, il est pas si mauvais que ça, le Fred. Donc voilà, c'est pas le meilleur DG. Mais voilà, il y a déjà une équipe de port. Ouais, enfin, on vous l'a dit, hein, l'objectif c'est quoi? C'est du 5 étoiles de geste technique brésilien offensivement. Et j'ai même pas envoyé tous mes buteurs moments. J'ai toujours Eto dans le club, Torres. Fernando Torres, Henry. J'ai 3 buteurs moments, dont la plupart maintenant sont même pas dans le 11 titulaire. C'est honteux. Et juste, la prédiction, les gars, est très sympa aussi. Hein. Moi, je trouve, hein. L'icône est-elle brésilienne ou française? Moi, je trouve que voilà, c'est très, très, très. Ah, vous êtes beaucoup à dire non quand même. C'est une belle prédiction. Par contre, c'est 261 personnes ont voté oui et 261 personnes ont voté non. Ah, il y a des gros points de chaîne. Pour moi, ce qui rend encore plus la prédiction encore plus spectaculaire. Dans un sens où. Ah, Vincent, mets-moi l'image. Mets-moi l'image. En fait, je sais même pas ce que je veux, les gars. Allez. Tu sais, on dirait un peu les crampons en mode. Mais ils dansent pas. J'aime non, pas quand. Tu sais, on dirait un peu les crampons des vieilles dames qui portent du léopard. Vous voyez pas quoi le délire? Vous trouvez pas, les gars, les crampons? Peut-être c'est que moi, peut-être je suis fou. Peut-être c'est la chaleur qui me joue un tour là. Vous trouvez pas, les gars, les crampons, tu sais, des cougars un peu là. Mais qu'est-ce que tu veux? Des cougars de la même couleur. Les gars, si j'ai du caca dans ce pack, je pense pas que je vais faire de pack icône avant longtemps. Les gars, je pense savoir qui c'est. Les gars, je crois que je sais qui c'est. En tout cas, je pense que c'est une victoire, mec. Je pense que c'est une grosse victoire. Quoi. Les gars, me dites pas que. Les gars, me dites pas que j'ai. Les gars, je viens de taper R9 Moments. Les gars, franchement, je m'excuse. Parce que les gars, j'ai déjà le prime. Les gars, j'ai déjà le prime. Par contre, on en parle ou pas, les gars, les crampons bien dégueulasses de R9 là? On en parle ou pas, les gars? Ils sont trop dégueulasses, les crampons à R9. Limite, j'ai envie de jouer avec le prime pour ces crampons. C'est ce que je leur ai dit si j'avais les deux dans mon club. Mais j'ai les deux dans mon club! Les gars, franchement, je suis désolé. Franchement, les gars, je suis désolé. Les gars, c'est oufissime. Bien, bravo, mec. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise? Là, je vais avoir un Ronaldo Prime Moments. Un Ronaldo. C'est complètement lunaire là, les gars, ce qu'on est en train de vivre. Les gars, j'aime trop les buteurs de Moments. Non, les gars, c'est dégueulasse. Eto, Henry, Fernando Torres. Je suis désolé, les gars. Au moins, comme ça, les gars, c'est simple. Si ce R9, il est pas dedans, je le remplace tout de suite, messieurs. Tout de suite. Tout de suite par le Prime. Parce que le Prime, pour moi, il m'a fait tellement du sale. Je vous dis la vérité, les refs. Je suis super content pour Liam. Franchement, les gars. Ah non, mais c'est dégueulasse. Non, mais moi, ça me dégoûte. Je te jure, mais moi, ça me dégoûte en vrai. Je suis content parce que c'est R9 Moments, mais ça me dégoûte. Je suis super content pour Liam, mais je me dis. Il y a des comptes, les gars. Tu peux rien faire. Non, mais les gars, on peut rien faire. Je peux rien faire. Liam ne peut rien faire. Il y a des comptes, c'est comme ça. J'avais dit, hein. Regardez, les gars, le mec, il a tapé 3 R9. Non, j'en ai un, c'est en prêt. Même le paquet en prêt, c'est énorme. Et en fait, Liam a tapé le R9 Prime il y a quoi, un mois et demi peut-être. Début avril, il y a un mois et demi. Il y a 2 semaines, il tape le buteur en prêt Ronaldo. Et quand il a tapé en prêt, j'ai dit, s'il y a bien une personne qui peut taper en doublon, c'est bien Liam. Donc là, c'est-à-dire, les gars, j'ai un Fodders à 7 millions de crédits, non? 6 millions de crédits. Enfin, c'est pas. Même un Ronaldo 1000, maintenant, c'est exceptionnel. J'ai un Fodders à 6 millions de crédits.
Il a combien le Mormons? Mec, tu viens de taper un joueur à 11 millions de crédits. C'est la première fois de notre vie, les gars. On joue à FIFA depuis. On joue à FIFA Ultimate Team depuis FIFA 13. C'est la première fois de notre vie que soit Liam, soit moi, on tape un joueur à plus de 10 millions de crédits. On n'avait jamais tapé un joueur à plus de 3 millions de crédits. Jamais. Puis j'en ai eu Ronaldo Prime. Montre-moi comment tu joues une game du coup. Bah, du coup, tu vas jouer Henry. Une game, les gars, ça va donner ça. Ah, je suis choqué. Eto, Ronaldo, Cruyff, De Bruyne, Gullit, Marcelo. Allez, voilà, bravo, bravo. Ah, le mec est vraiment facile d'en abuser. Ah oui, en fait, il a les crampons dorés. Ah ouais. Oh la vache, ouais, c'est rapide. Tu sens la diff ou pas tout de suite ou pas moi? Dis la vérité. Ouais. Moi, va la caméra. Non, je te jure, c'est des crampons. Les gars, c'est des crampons bien dégueulasses. Pour moi, c'est pas des crampons. Même moi, tu donnes même pas ça à un joueur de R6, les gars. Même un joueur de R6, il achète pas ça. C'est quoi ça? Ah, par contre, c'est flash hein, sur le terrain. Arrête là. Tiens, high kick. Mais il a la coiffure. Je te mens pas, Kun. C'est vrai, ça c'est vrai. Il a pas la calvasse. Les gars, j'ai été frappé par la foudre là. Voilà. Maintenant, voilà. Et maintenant, les gars, non. Maintenant, le prochain joueur que Liam veut. En plus, tout à l'heure, j'avais dit tout à l'heure. En mode, ouais. On veut de l'icône offensive brésilienne 5 étoiles de geste technique. Il y en a pas beaucoup, je l'ai dit ça. Bah, ça commence par R et ça se termine par O. C'est-à-dire que là on va être les connards sur Twitter à mettre une photo de R9 premier tenteur et R9 moins premier tenteur. On va mettre victoire ou défaite. Ah, par contre, ouais, c'est très rapide. Là, ce qui se passe à l'intérieur de moi, certes, j'aurais préféré avoir R9 Premium sur mon compte, mais je suis quand même très content que ça arrive sur le compte de Liam. Franchement, les gars, faut pas jalouser. Franchement, je suis très content pour Liam. Vraiment, les gars, je suis très content. C'est très rare que ça arrive, ça. Ouais, mais j'aurais préféré que tu le pack sur ton oui, compte. Oui, carrément, moi aussi, les gars, je vous mens pas. Et moi, j'ai eu Viera sans le A. Mais tranquille, we move, les gars, je suis vraiment très content pour Liam. Vraiment, ça, je suis vraiment très content pour lui. Bien joué, Liam. J'ai vraiment le syndrome de l'imposteur un peu. J'ai peur d'ouvrir nos mentions Twitter. Ça c'est tout ça. Alors R9, Simon, je remarque aucune différence entre le Moments et le Prime en vrai. Ah, ouais, ça bouge fort. Vite hein. Ça bouge vite R9. Et je sais même pas si on allait streamer aujourd'hui, mais je me suis dit vas-y faut qu'on stream. J'ai mon pack qu'on a à ouvrir et c'est. Tu vois, j'ai besoin de streamer. Tu vois entre guillemets, ça va me faire du bien. Et le fait de streamer, les gars, je sais pas, en plus on a pris notre temps tranquillement pour faire le pack et tout, et je sais pas. Moi je dis, les gars, Liam doit se faire la coupe d'R9. On va se faire un challenge, les gars, sur ça. On va faire un challenge sur ça, moi je vous le dis, les gars. On va peut-être réfléchir, les gars, à faire une coupe R9 Moments. Non, tu, pas moi. Ouais, je vais y réfléchir, les gars. Je sais pas si je vais faire un sub goal, si je vais le faire. En tout cas, les gars, merci beaucoup du soutien sur YouTube, sur Twitch, les gars. C'est ouf. C'est ouf. C'est assez monstrueux, les gars, je vais pas m'en mentir. En plus, les gars, je suis fatigué, je suis malade un peu avec les. J'ai l'impression d'être dans un rêve, les gars, je vais pas vous mentir, c'est vraiment très bizarre. Ouais, Vincent, il peut être dégoûté, mais les gars, c'est ça. Aujourd'hui, les gars, franchement, c'est ouf ce qui m'arrive, c'est ouf. Kalerov, merci du soutien. Ouais, on va y réfléchir, les gars, ça sert à rien de me dire un dans le chat, les gars, on va y réfléchir tranquillement, on va voir ce que YouTube va y penser. En tout cas, les gars, prenez bien soin de vous, moi c'est Liam. Moi c'est Vincent, les gars, et voilà, on aura un petit challenge. Je sais pas encore ce qu'on va faire, on va y réfléchir. On va y réfléchir tranquillement. Comme ça, tu pourras enfin reconnaître Liam. Qui est Vincent, qui est Liam. Je pense qu'il le savait déjà, Vincent, en vue de la chance dans les packs, contrairement à toi. Parce que moi je tape pas Viera sans le A. Moi je tape R9 avec la coupe bien légendaire. Si tu vois ce que je veux dire. Messieurs, cœur sur vous, moi c'est Liam. Gros bisous, les gars. Et on se capte demain en stream pour les garanties. Bah, tout à l'heure en stream pour les garanties Bundesliga. Et demain on stream, les gars. On demain fait ça. Vidéo, du coup. Je suis perdu, les gars. Ouais, moi aussi, les gars, je suis perdu. C'est la chaleur, c'est tout, les gars. Prenez bien soin de vous. Moi, c'est Liam. Moi, c'est Vincent. Gros bisous, les gars. Au revoir. Peace.